Aujourd'hui, je vous présente un nouvel album. Le titre, Les Gorges du Verdon en pédalo, de Virginie Grimaldi et de Marina Coudray, Hachette Jeunesse. C'est parti. Les cinq cousins se retrouvent pour des vacances dans les Gorges du Verdon. Tandis que les parents se reposent sur la plage, les enfants se baignent près du bord. « Regardez !» lance Noah. « Il y a des pédalos. J'aimerais en faire. » Les parents acceptent, à condition d'enfiler des gilets de sauvetage et de ne pas trop s'éloigner. « Maëlle, reste avec nous !» précise le papa du petit garçon. « Je vais jouer avec lui. »« Maman !» demande Lily. « Je peux mettre ton chapeau ?»« Bien sûr, ma chérie, mais fais-y attention, j'y tiens beaucoup. » Le pédalo des quatre cousins avance entre les immenses parois rocheuses. « C'est impressionnant !» s'extasie Noah. « C'est très haut !» confirme Assa. « On dirait que ça monte jusqu'au ciel. » Lily lève la tête pour vérifier. Le vent s'engouffre sous son chapeau. Qui s'envole et tombe à l'eau. « Oh non !» s'écrie-t-elle, « le chapeau de maman !»« On va le rattraper !» lui promet William. Les enfants pédalent pour faire avancer leur embarcation, mais le courant entraîne le chapeau. « On ne va pas assez vite !» constate Assa. « Noah, il faut que tu appuies un peu plus !»« Je pédale déjà de toutes mes forces !» rétorque-t-il vexé. C'est fichu, se lamente Lily. On ne pourra pas le rattraper. Le chapeau s'éloigne à toute vitesse jusqu'à devenir un point minuscule. Lily est en larmes. Maman va être tellement déçue. Regardez, s'écria Sa, le chapeau est accroché à un rocher. Allons le chercher, s'exclame William. On y est presque, annonce Noah. Le pédalo arrive à hauteur du rocher où est accroché le chapeau de paille. Mais au même moment, un oiseau tente de l'arracher avec son bec. Oust ! Le chasse William. C'est le chapeau de ma tati ! L'oiseau s'enfuit en laissant son butin. Lily le décroche doucement et le pose sur ses genoux. Il est tout mouillé, soupire Lily. Le chapeau ressemble à un flan tout mou. « Ce n'est pas grave, la rassure William. Il suffit de le faire sécher, et ta mère n'y verra que du feu. »« Comment veux-tu qu'on fasse ça ?» interroge Noah. « Réfléchissons ensemble, » déclara Assa. « Je suis sûre qu'on trouvera. » La première idée vient de Noah. « Si on souffle sur le chapeau, il va sécher, » affirme-t-il. « On ne souffle pas assez fort pour ça, » s'esclave William. On n'est pas des sèche-cheveux. Peut-être, réplique Noah, mais on est quatre. L'union fait la force. Les cousins se mettent donc à souffler de toute leur force sur le chapeau. Au bout d'un moment, il est toujours aussi trempé. William et Assa ont une autre théorie. Si le pédalo avance vite et que le chapeau flotte dans les airs, il va finir par sécher. Il y a du soleil, ça va accélérer les choses. Voilà donc les enfants qui pédalent aussi fort qu'ils le peuvent. Lily tient le chapeau en l'air. « Ça marche !» s'écrie-t-elle joyeusement. « La paille est en train de sécher !» Mais le chapeau s'envole de nouveau et le courant l'emporte au loin. « Maman ne va pas être contente !» gémit Lily. « J'aurais dû faire plus attention. Il faut que j'invente une histoire pour qu'elle ne sache pas que c'est ma faute. » « Tu sais ce qu'on dit, » la raisonne William. « Faute avouée, à moitié pardonnée. »« C'est vrai, » confirme Noah. « Il faut mieux lui dire la vérité, même s'il est un peu déçu. »« Mentir, ce n'est vraiment pas une bonne idée. »« On lui expliquera que tu n'y es pour rien, » lui promet Assa. Lily secoue la tête. « Je ne veux pas qu'elle soit fâchée. Je préfère inventer une histoire. » Sur le pédalo, Assa, William et Noah s'amusent à s'arroser.
Mais Lily n'a pas la tête à ça. Elle réfléchit à l'histoire qu'elle va pouvoir raconter à sa mère. « Il y a beaucoup d'oiseaux par ici, » constate Noah. « Il doit y avoir des poissons. » « Celui qu'on a vu tout à l'heure avait plutôt l'air de se nourrir de chapeaux, » dit William en riant. Ce souvenir donne une idée à Lily. Elle sait quel mensonge elle va raconter. Mais de retour sur la plage, Lily n'ose pas aller parler à sa mère. « N'attends pas, » lui conseille Noah. « Tu seras soulagée quand ce sera fait. » La petite fille rejoint sa maman sous le parasol. « Maman, » murmure-t-elle, le cœur battant, « tu ne vas jamais me croire, mais un oiseau a volé mon chapeau. Il était énorme, avec un bec de la taille d'un parapluie. J'ai essayé de résister, mais il était trop fort. » Sa maman la regarde sans rien dire. Lily se sent mal. « Pardon, maman, » dit-elle en se jetant dans ses bras. « Je t'ai menti. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Le chapeau s'est envolé. Je suis désolée. » La maman de Lily dépose un baiser sur la tête de sa fille. « Ce n'est pas grave, ma chérie. L'essentiel est que tu m'aies dit la vérité. Je sais que je peux te faire confiance. » « Tu ne m'en veux pas ?» s'étonne Lily. « Je suis un peu triste pour mon chapeau, mais tout le monde fait des erreurs. Je ne t'en veux pas. »« Merci, maman. » Les quatre cousins vont rejoindre Maëlle au bord de l'eau. « Maëlle !» s'écrie William. « Qu'est-ce que tu as sur la tête ?»« Je l'ai trouvé dans l'eau !» répond le petit garçon. « Mais c'est le chapeau de maman !» s'exclame Lily. « Le courant l'a entraîné jusqu'ici !» applaudit Assa. Les enfants laissent sécher le chapeau sur les galets avant d'aller le rendre à sa propriétaire. « Tout est bien qui finit bien !» conclut Assa. « Et surtout, » ajoute Lily, « faute avouée, à moitié pardonnée. » Si tu as aimé cette histoire, clique sur la petite main bleue, partage-la et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.